Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel numéro 48 de World of Final Fantasy. Et aujourd'hui nous allons apprendre comment faire pour capturer la princesse Flan. Alors étant donné que la capture de la princesse Flan se fait dans le même combat que la capture du Méga Morbol et que vous connaissez déjà la capture du Méga Morbol puisque vous avez vu la vidéo précédente, hein, bien sûr, je vous fais confiance. Bon, on va pas se retaper le combat, donc en attendant, pour patienter, je vais vous mettre un petit sketch de Guy Montagnier, histoire de faire passer le temps, et on se retrouve juste après. Ding dong ! Qui est là ? C'est moi, c'est Morissette ! Bon, dis donc, dépêche-toi, on va être en retard, là ! Voilà, voilà ! La porte s'ouvre, Hortense apparaît, en imperméable, avec un... Non mais revenez, non mais je déconne. Non mais bien sûr, on va se téléporter directement à la partie qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire juste après avoir capturé le Méga Morbol. Merci. Le Méga Morbol, maintenant, il est capturé, donc il ne reste plus que la princesse Flan sur le terrain. Nous allons pouvoir nous occuper d'elle gentiment, en regardant tout de suite sa fiche technique, bien sûr. Donc la princesse Flan est le numéro 114 de la liste des compagnons. Il est de taille moyen. On le trouve, bien sûr, dans les marécages venteux, hein, ça ne vous étonne pas. Par contre, pour le capturer, et là je vais vous surprendre, il faut le combattre seul à seul. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que si vous voulez capturer la princesse Flan, vous ne devez avoir qu'un seul personnage de vivant sur le terrain pour pouvoir lancer la capture. Donc pour ça, vous allez me dire, c'est assez simple, bah, il va suffire de défaire les pyramides, les deux pyramides bien sûr cette fois, de laisser crever tout le monde sauf un, et puis on va pouvoir lancer la capture. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça en vérité, puisque déjà, donc il faut défaire les pyramides, si tu pouvais bien te bouger le fion sur la vidéo s'il te plaît, merci. Hein, plutôt que de faire n'importe quoi, je sais pas ce que t'es en train de faire, mais là tu te bouges pas le fion et t'es en train de niquer toutes mes explications, gros connard. Est-ce que tu pourrais véritablement te bouger le fion plutôt que de faire de la foudre? Ça ne sert à rien, on a dit. Alors bouge-toi le fion de défaire ces pyramides, bordel de merde. Y'a tout le monde qui attend. Merci. Donc maintenant que les pyramides sont défaites, vous vous dites, c'est bon, c'est simple, il reste plus qu'à faire crever nos compagnons un par un, et puis voilà, c'est gagné. Et bien en fait, non, pas du tout. Puisque là, dansons ensemble. La compétence de la princesse Flan qui casse bien les noix, puisqu'elle met Berserk à tout le monde. Et si vos persos ont Berserk, ça veut dire qu'ils vont attaquer comme des mongolos jusqu'à la fin de leur vie, et vous ne pourrez jamais capturer la princesse Flan. Donc pour ça, là on a eu de la chance, puisque il y a qu'un seul perso qui a été mis en Berserk, mais en vrai c'est pas toujours le cas. Pour ça, une astuce bien connu des plus grands cuisiniers de notre région, c'est d'amener avec soi l'urne magique. Parce que l'urne magique, quand vous l'amenez avec vous, elle a une compétence qui s'appelle SOS Ruban. Et donc, ça veut dire qu'elle sera immunisée aux altérations d'état, quoi qu'il arrive, quand ses PV sont bas. Ce qui veut dire que si jamais tous vos persos sont en berserk, elle pourra, elle, jeter des calmants à tout le monde pour pouvoir les guérir, et vous ne serez pas obligé de faire un reset comme un clochard. Voilà. Et maintenant, on en arrive à ma partie préférée de cette vidéo, puisque maintenant que vous savez danser, il ne reste plus qu'à faire crever tout le monde sur le champ de bataille pour laisser qu'un seul héros vivant et pouvoir capturer la princesse Flan. Alors pour ça, c'est rien de plus simple. Il suffit d'appeler tous les plus gros traîtres que vous connaissez, comme Fabrice Fiorez, Emmanuel Macron ou encore Kevin Durant. Vous pouvez également sortir vos meilleurs épisodes de Koh-Lanta. Jérémy, c'est toi ou moi? Et une fois qu'il ne reste plus qu'un seul héros sur le champ de bataille, le Flan va se mettre à briller, vous allez pouvoir lancer la capture, et ça y est, le Flan a été capturé, et la partie est finie, c'est génial, et vous avez maintenant gagné 80 000 XP, wouhou! Every day I'm shuffling.